Salut les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Scorpion Blanc. Salut, donc les gars, je vais vous montrer un tuto, je vais vous expliquer comment retrouver l'adresse. Non, c'est pas une adresse mail parce que faut savoir que quand vous avez perdu votre mot de passe ou vous connaissez plus votre mot de passe, c'est ce que je vais le faire. Par exemple, vous faites connexion, ensuite vous mettez votre mot de passe, essayez de mettre votre. Par exemple, vous appuyez sur connexion, ensuite triangle. Vous appuyez sur triangle. Mot de passe oublié. Ensuite, vous marquez votre adresse mail. Ensuite, vous faites suivant. Oui, vous donne l'email a été envoyé si vous n'avez pas reçu procédé comme suivante. Bref, en fait, j'ai reçu l'adresse mail tout simplement sur mon. On va passer sur mon écran PC. Ah, je suis toujours sur mon écran PC. Hein. Tout simplement, regardez, j'ai reçu l'adresse mail. Vous avez demandé à changer votre mot de passe. Donc, si vous allez dans ça, c'est normal, hein, à changer de mot de passe. Regardez, c'est très très vicieux en fait. C'est très vicelard ce qu'ils font en fait. Regardez, ils te demandent sélectionner une méthode pour vérifier votre compte. Téléphone portable. C'est mon ancien compte, c'est mon ancien numéro de téléphone ça. Je l'ai plus ce numéro de téléphone. Qu'est-ce que je fais? Soit numéro de téléphone, soit date de naissance. Pourquoi pas date de naissance? Je fais continuer. Ah bah il s'avère que je connais pas ma date de naissance. Je connais absolument pas ma date de naissance. Du coup, j'avais cherché sur internet, sur des forums. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous apprend ça. En fait, faut tout simplement, si vous possédez un compte EA, par exemple, moi je possède un compte Apex Legends. Du coup, c'est ce que je fais. Je vais tout simplement, si vous possédez un compte Apex Legends ou bien un compte FIFA. Vous allez tout simplement sur votre compte, tout simplement, vous faites juste EA.com. Ensuite, vous allez juste sur EA. Voilà, si ça va bien marcher. Vous allez sur EA. Et ensuite, vous faites juste connexion parce que ça va vous mettre votre date de naissance par rapport à la machin là, par rapport à votre compte dans laquelle vous avez créé, vous avez un, par exemple, moi j'ai un compte PSN qui est Scorpion Blanc et mon adresse mail et tout ça il est relié à ce compte. Du coup j'ai créé mon compte EA grâce à Apex Legends. Du coup je suis du coup ça fait que je suis en fait sur mon compte EA il y a mon adresse non il y a ma date de naissance de mon PSN qui est marquée dessus. Du coup vous connaissez votre date de naissance, ce qui fait que comme ça quelle est votre date de naissance, vous pouvez marquer je sais pas, admettons mon date de naissance c'est le 14, le mois c'est le 11 et l'année c'est le. Vous avez mis au pif, hein, vous êtes mineur, tout ça, vous avez mis au pif, je suis né le 94, 92 par exemple, vous faites continuer. Et voilà quoi, ensuite vous pouvez changer votre date de. Vous pouvez changer votre mot de passe, c'est ça où je voulais en venir. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un lien bah, il explique super bien en fait sur ce forum jeuxvideo.com. Sinon, je vais écrire ça en commentaire. Ou en description de cette vidéo, tout simplement, il dit tout d'abord, vous devez absolument avoir un jeu EA Need for Speed ou je crois que ça fonctionne avec la démo de FIFA, mais je ne suis pas sûr, ça reste à confirmer. Faut posséder un compte EA, comme ça vous pouvez retrouver facilement votre date de naissance qui est liée à votre PSN, par exemple pour le mien. Scorpion blanc quoi, voilà. La vérité, je me souvenais même plus à quelle date de naissance que j'avais foutu. Et donc, voilà. Attendez. Ah oui, je suis pas connecté avec ma manette.
Et donc voilà, c'est ça en fait par rapport à ça. C'est juste pour ça, hein. C'est juste une petite méthode comme ça, petite vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. D'ailleurs, faudrait que je me reconnecte sur mon compte. Le mot de passe, je la connais, hein. Pas de soucis vis-à-vis de ça. Et si ça vous a plu, si ça vous avait été utile, dites-moi ça en commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à plus tard. Ciao!